réalisateur qui sortait de la première IDEC me dit, allez voir tel producteur. Je vais voir les producteurs, il me dit, oui, je vous finance si vous emmenez Fernandel à Tombouctou. Bon. Belle idée. Bah, j'aime mieux Tombouctou, chacun ses goûts, mon petit. Bon, alors... alors, tu vois... Et on n'a pas emmené Fernandel à Tombouctou, et un copain qui s'appelle Séchant, Trotti Séchant, me dit, va donc acheter une caméra 16 mm, c'est formidable. Et ça se trouve au puce. Et je vais au puce trouver les vieilles caméras de l'armée américaine. Et je pars pour tourner. Après la guerre, quand nous sommes rentrés en France, avec mes copains de l'école des ponts, on a cherché du travail en France. Et je suis allé voir des directeurs d'entreprise. Par exemple, le monsieur qui avait... J'avais fait un stage sur le pont de Saint-Cloud, le pont que tu prends. Pour aller à Saint-Cloud, la première pile, c'est moi qui l'ai faite, hein, en 1938. Alors, je vais voir le monsieur qui était là, qui s'est rendu célèbre, il avait fait, les, après ça, le mur de l'Atlantique, et c'était un ancien de notre école, et je vais lui demander du boulot. Il me dit, oui, très bien, oui. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 4 ans? Alors, je lui dis, moi, j'ai fait la guerre. Il me dit, quel temps perdu. Alors, je me suis levé, j'ai pas claqué la porte, je suis sorti. J'ai vu mes copains, et avec mes copains, on a décidé qu'à partir de ce moment-là, on ferait ce qu'on voudrait. On avait payé notre dette à la France, on n'avait rien à en faire. Et donc, on a décidé de faire de la philosophie, de la littérature. On a créé un personnage imaginaire, Jean-Pierre Jean, qui était journaliste, Jean Rouge, Pierre Ponty, Jean Sauvy. On a travaillé avec AFP, on faisait 3 articles par semaine, et avec ça, on vivait comme des princes. Et un jour, on se dit, il faut retourner en Afrique. On a décidé de repartir tous les 3 et de descendre le Niger en pirogue.